Quand on est arrivé, moi je suis élu depuis 2019, on était élu en disant il faut maintenant une banque du climat pour changer de dimension au niveau européen et financer la transition. Et la BEI nous a dit formidable, on va être la banque du climat. On sait le faire, on peut le faire. Le problème, c'est que l'actualité nous rattrape. Et on voit bien les images terribles qu'on a reçues d'un peu partout dans le monde, et tous les ans, et toutes les semaines, et tous les mois, ça s'empire. On voit bien que ce que nous faisons va beaucoup moins vite que les destructions environnementales liées au changement climatique. Monsieur Houllier, mon collègue écoute, vient de le dire, la BEI continue de financer des projets gaziers. La BEI continue de financer des autoroutes. La bifurcation que nous devons prendre est beaucoup plus rapide que celle qui est prise aujourd'hui. Donc mon message, les questions, elles ont déjà été posées, elle est très simple, Monsieur le Président, c'est que si on veut que la BEI devienne vraiment la banque du climat, il faut agir plus vite, plus fort, plus de moyens, il faut surtout choisir entre ce qui va nous mettre vers la transition ou ce qui va nous maintenir dans la destruction que nous subissons encore. Je vous remercie.